la démarche sénatoriale qui consiste à écouter. Et même la présidente s'est exprimée largement, précisément, sur tous les sujets qu'on voulait aborder avec elle sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Avec les sénateurs, on a parlé évidemment de la suite de l'accord de Nouméa qui s'ouvre aujourd'hui avec les discussions qui doivent s'engager pour arriver à un accord et à un référendum de projet en juin 2023. Donc on a parlé des positions que nous défendons au niveau des loyalistes, évidemment, d'une part de maintenir ce calendrier parce qu'il est quand même le seul outil qui nous donne aujourd'hui des perspectives de stabiliser l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et du contenu de cet accord qui doit maintenir finalement l'autonomie que nous avons en Nouvelle-Calédonie tout en garantissant notre maintien dans la République. Depuis le mois de décembre, c'est la préparation de ce référendum de projet annoncé pour le mois de juin 2023. Le gouvernement aura sans doute un texte à proposer rapidement, en tous les cas il faut l'espérer, et nous sommes dans cette logique-là et notre travail s'inscrit dans cette logique.